T'es forcément déçu, t'as forcément pris un coup sur la tête de perdre comme ça. Et après, je pense qu'avec un peu de recul, on va se dire qu'on n'a pas fait un mauvais match, loin de là. Je pense que c'était un bon match de basket, mais après, on a peut-être manqué ce petit quelque chose à la fin. Ce match en milieu de semaine à Sassari nous a pris beaucoup d'énergie, donc peut-être qu'il a manqué ce petit truc. Mais ce brin de réussite, parce qu'on a eu les shoots pour le gagner aussi, eux les ont eu aussi. Après, ça se finit sur un tir un peu alléluia, mais bon, voilà, c'est le basket. Il n'y a pas de regret à avoir là-dessus, c'est des choses qui arrivent, mais après on peut se féliciter d'avoir été dans le match tout le long, d'avoir été en position de le gagner, en ayant eu qu'un seul entraînement pour le préparer, en étant revenu jeudi, en ayant eu un entraînement vendredi, on prend la route, et donc c'est un bon match malgré tout. C'est toujours mieux de faire un match plein, certes de le perdre, mais de faire un match plein avec des choses cohérentes dedans, avec un bon match à Orléans plutôt que d'en prendre 20, donc forcément ça laisse des espoirs et c'est intéressant malgré tout. Bah, je pense pas parce que le contenu était là et après le match peut tourner dans un sens comme dans l'autre à la fin, je veux dire c'est tellement aléatoire, mais au niveau contenu on est dans ce qu'on veut, après il y a des petits détails qui sont à régler forcément.